where she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut à tous, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, tout se passe moitié bien aujourd'hui, parce que en fait, je voulais fêter la victoire de Lyon. Et pour une fois, ça se passe pas comme je voulais. Je me suis dit, Lyon, ils vont gagner, même si c'est la plus nulle équipe du haut championnat. Moi, je me suis dit, Lyon, ils vont marquer au moins 2 buts. Ça, c'est fait ça. Ils vont le faire. Même pas. Ils ont rien fait. Ils sont allés. Ils ont fait leur match. Pourtant, c'était au Stade des Lumières à Lyon. Le match, normalement, toutes les conditions ont été faites pour que Lyon fasse un bon match, que ça se passe bien. Mais non, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Je pensais faire ma petite fête, ma petite joie et tout, comme vous avez vu dans le match de Coupe de France et tout, que ça s'est bien passé. Mais comme par hasard, ils n'ont rien fait. Ils ont fait quoi? Les Lyonnais en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ça joue tranquillement, pas tranquillement. On dirait qu'ils sont dans le jardin en train de regarder les plantes et tout, en train de mettre de l'eau dans les plantes et tout, tranquille. On va boire un petit thé, après on va jouer, tout ça tranquille, normal. Et on se balade, tout, on fait des passes à droite, des passes à gauche, normal. Droite, gauche, tranquillement, on avance un peu, tout, on court un peu violemment, et après on joue tranquille, quelques petites accélérations et tout. Non, ça me dépasse, franchement, nul. C'est le plus nul match que, franchement, de tous ces derniers matchs, c'est le plus nul match que je viens de voir. Mais ce qui me fait du mal, franchement, c'est que voir qu'il y a des gens. Ils vont dans le stade, ils sont tout contents, c'est dit bon Lyon, on va gagner 1-0, un truc comme ça. Il y en a, ils ont payé leur place près des joueurs, cher en plus, hein. Il y en a, ils ont payé des places près de 80€ la place, etc. Non, et pour voir ça, 0-0, tout ça, voir 0-0. Et franchement, là franchement, c'est un match franchement, qui est vraiment malheureux et triste, parce que quand on les voit jouer, franchement, quand on voit l'équipe de Lyon jouer, franchement, on se demande pourquoi tu vas t'asseoir dans un banc pour regarder un match comme ça. Parce que franchement, c'est malheureux, c'est un match, c'est même pas un match. C'est même plus des maïs qui jouent, c'est des pingouins, je sais même pas. Bon, je veux pas m'énerver, ça sert à rien, j'ai même pas envie de m'énerver. Tout ce que je sais, c'est que la saison de Lyon, elle est foutue. Aujourd'hui, là où est-ce que je vous parle, c'est terminé. Déjà, la première place, on ne va pas parler de première place, parce qu'on sait très bien entre Paris, ça c'est la place qu'on ne discute pas. La deuxième place, maintenant c'est vraiment, mais depuis un moment c'est foutu, puisque bon, que ce soit Marseille ou une autre équipe, c'était sûr et certain, la deuxième place, c'était mort. Mais maintenant, la troisième place, souvent quand on voit que Lyon, la première et deuxième place, ils n'arrivent pas, on se dit la troisième place. Mais maintenant, la troisième place, moi je pense que ça commence à être chaud. Là, je pense que la troisième place, ça commence à s'échapper. La quatrième place, je me dis, il y a des chances que Lyon peut faire quelque chose. Mais non, non, rien. Maintenant, c'est la quatrième place, c'est la honte. C'est la quatrième place, et encore, la cinquième place qu'on joue. C'est incroyable. Il y a Lille qui est là devant nous. Nous, on est là dans les sixième place et on s'installe. Et je pense que les joueurs pensent que c'est fini, ils vont arrêter de jouer. Les gens, ils gagnent des millions. C'est pas un SMIC qui gagne, hein. C'est pas 1100€ ou 1200€ qui jouent les Lyonnais. Ils gagnent des millions pour faire ça, pour faire des passes derrière, tranquille. Hein. Toi, moi, je te la donne. Je cours un peu. Non, non, c'est pas ça. Il faut tout péter. C'est quoi ça? Il faut tout péter. Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut jouer comme ça. Avec tout l'argent que les joueurs jouent, non, ça me dépasse. Ils gagnent tellement une somme importante pour faire ça, alors qu'il y en a qui viennent voir le match, ils sont là en train de crier toute leur force pour rien, pour rien. C'est vraiment, ça sert à rien. Franchement, là ça m'énerve, parce que là, on a fait un match de merde. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est un match de merde. On devait au moins gagner 1-0. Même pas 1-0, même pas si on arrive à gagner 1-0, c'est quoi ça?
même pas 1-0, juste 1-0. Là, Angers, ils ont fait leur travail, ils sont venus pour faire leur match et ils sont partis. Ils ont eu au moins un point. Alors que nous, on joue pour la troisième ou la quatrième place. Même pas, même ça, c'est fini maintenant. Maintenant, on va jouer pour la sixième place. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que Lyon va jouer la Coupe de France pour la Ligue des Champions. Et si on n'arrive pas à gagner la Coupe de France, eh ben, il y a la Coupe de la Ligue et la Coupe de la Ligue, ça va être mort. Moi, je compte à dire que c'est fini pour le championnat de France. Maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment déprimé parce que là, en ce moment que je vous parle, je vous entends. J'entends le match de Marseille. Et je confirme que Marseille gagne 1-0. Je pense qu'ils sont en train de accrocher Paris en cas d'erreur que Paris fait deux, trois défaites. Si Paris fait 2 ou 3 défaites, Marseille peut revenir un peu, mais bon, je pense que Marseille va rester deuxième et la saison est parfaite pour Marseille. Quand tu as des joueurs comme, moi je précise à dire, un joueur en particulier, Dimitri Payet, ce joueur pour moi devrait jouer l'Euro s'il ne se blesse pas et s'il continue sur cet état d'esprit, puisque franchement, là il n'y a rien à dire. Il a la rage, il est à fond. Il motive toute son équipe, ils sont tous à fond les Marseillais. Et franchement, là, moi je dis, Marseille va rester deuxième, ça c'est sûr. Là, entre nous, vous savez très bien que Marseille restera deuxième. Mais après, jouer contre Lyon, je pense que Marseille va gagner. Mais si on gagne ce match contre Marseille bientôt, parce que moi, le match de Paris, pour moi, il compte pas. Hein. Pour moi, je pense qu'on va perdre. Hein. Si on gagne contre Paris, c'est la fête. C'est vraiment la fête. Mais je pense pas que Lyon va gagner contre Paris, puisque là on a fait un match nul. Les Parisiens, ils vont nous mettre un 2-3-0, je ne sais pas si c'est combien, parce qu'ils sont tous en forme avec Neymar et compagnie, toute la bande, ils sont tous en forme pour faire un bon match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Donc maintenant, moi je dis que je ne veux pas discuter pendant des heures et des heures et des heures. Tout ce que je veux dire, c'est que maintenant, le championnat de France pour Lyon, c'est même plus la peine de regarder une troisième place, parce que maintenant c'est mort. On joue la sixième place pour moi, la sixième place, la cinquième place, parce que maintenant tout est cher. Donc il peut arriver que des incidents. En fait, tout ce qui peut arriver, c'est que les trois premiers qui sont devant nous, ou les deux premiers qui sont devant nous, puissent perdre et on puisse gratter au moins une place. Mais moi, je pense que c'est foutu. C'est vraiment nul. Les joueurs ici, ils gagnent des millions pour faire ça, pour faire deux petites passes et tout, tranquille. Oh, on dirait que ça leur va rester sixième. Restez sixième si vous voulez rester sixième. Moi, je ne cherche pas à crier, ça ne sert à rien. Ils veulent rester sixième, restez sixième. En tout cas, ça m'a énervé de regarder un match pourri comme ça. Et des poules mouillées qui jouent, ils n'ont même pas motivé. Ils jouent même pas contre le premier, même pas contre le deuxième, même pas contre le troisième. Ils jouent contre une équipe qui est en bas d'eux. Il faut être à la rage pour être au moins gagner un point, pour gagner moi. Je dis un point, je veux dire une place. Puisque là, c'était possible de gagner au moins, d'avoir la quatrième place, au moins, ou la cinquième place. On peut arriver à y arriver, mais non. Là, je discute un peu trop et ça m'énerve, puisque franchement, c'était un match vraiment, vraiment pourri. Je tiens à dire que maintenant, c'est terminé pour le championnat de France. Lyon va finir sixième ou cinquième, voire quatrième. Mais bon, voilà, je suis déprimé aujourd'hui. Tout ce que je voulais dire, c'est que bon, voilà, j'écoute le match de Marseille en ce moment, dans mon oreillette que vous voyez certainement. Et puis voilà, je suis content pour les Marseillais. Vous allez finir en deuxième. Et félicitations à tous les Marseillais. Puis voilà. Bon, le match Marseille-Lyon sera un match de coupe avant tout. Après, je pense que si on perd, pour moi, ça sera normal. Et si on gagne, ce sera un espoir de battre Marseille, puisque cette année, l'équipe la plus nulle du championnat de France, enfin je dirais la plus nulle du haut du championnat, c'est pas les Rennes ou Lille, etc. C'est Lyon, nul. Ils jouent, on dirait que j'ai l'impression qu'ils vont aux toilettes quand ils jouent. Ils sont là, ils sont aux toilettes, ils sont en train de chier. Ben à un moment donné, il faut chier, ben, chier votre caca et puis c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, moi j'arrête de discuter. Ils sont en train de chier. À tous les matchs, ils font des caca. Donc bon, ben, laissez faire leur caca. S'ils savent faire que ça. Chaque match, ils sont là, ils sont en train d'être aux toilettes, ils attendent, ils regardent leur journal. Chacun regarde son journal et ça fait des passes, tranquille. Non, mais là, c'est une expression que je dis, là, parce que franchement, je suis énervé, je suis vénère et
préférais le prendre au calme, ce match. Mais bon, voilà, tout ce que je sais, c'est que maintenant, c'est foutu. On va peut-être essayer de gagner la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, mais bon, c'est foutu. Moi, je pense que j'y crois, je commence à plus y croire, parce que les équipes comme Marseille qui sont à fond et les équipes comme Paris qui sont à fond, c'est les deux équipes qui vont nous poser beaucoup de problèmes. On n'a pas assez de motivation, on n'est pas assez motivé pour y arriver. Aujourd'hui, j'y crois pas. Après, peut-être que les prochains matchs, j'y croirai, mais là, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est foutu. Je pense que la saison va être morte. Le problème, c'est que si la saison est morte, tout le monde va partir. Donc voilà, on a des joueurs comme Traoré, Memphis Depay, tout ça qui est blessé, etc. On a des joueurs, des jeunes qui commencent à pousser, qui sont très extraordinaires. Après, il y a des joueurs qui sont titulaires. Bon, je cherche même pas à parler, à insulter les joueurs, parce que moi, ça me dépasse. Je préfère ne pas insulter, ça sert à rien. Tout ce que je sais, c'est que le championnat, c'est foutu. Maintenant, la troisième place et la deuxième place, c'est foutu. Maintenant, on va se contenter de finir le championnat comme ça. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo et moi, quant à moi, je vais aller dormir. Je crois que c'est la plus grosse déception que je pensais, même pas 1-0. Bon, ben voilà, Marseille gagne 1-0. Pour le moment, ce que je vous parle, je pense qu'ils vont accrocher Paris. Et puis, en cas où Paris fait une erreur, mais bon, les Marseillais, félicitations pour tous les Marseillais. Et pour votre deuxième place, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, peut-être une nouvelle vidéo de dégustation, si c'est possible. Mais bon, voilà. Pour le moment, il faut attendre que je me remotive, puisque ça m'a démoralisé. Salut les amis. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.